reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Comme vous pouvez le voir, je sors un peu. Vous voyez, j'étais sorti. Mais en même temps que je suis en train de marcher, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. J'aimerais vous parler. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Mon travail, c'est de prévenir les gens. C'est de prévenir les gens de ce qui se passe en réalité et ce que le diable est en train de faire contre votre paix, contre votre bonheur. Écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas voir le diable physiquement. Non. Vous ne pouvez pas le voir. Vous n'allez peut-être jamais le voir. Mais vous devez savoir qu'il a des représentants. C'est-à-dire des gens qui sont sur la terre ici et qui travaillent pour lui. C'est-à-dire que si le diable veut faire du mal à quelqu'un tout de suite là, il n'a pas besoin de se déplacer. Il va juste toucher quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir faire le travail. Est-ce que vous voyez, non? Voilà. Et nous tous, on connaît les sorciers. Nous tous, on sait que les sorciers sont bien préparés pour exécuter de telles tâches. Et le problème sérieux dans cette affaire-là, c'est que la plupart des gens ne reconnaissent pas les sorciers. Machin un peu. La plupart des gens ne savent pas qui sont les sorciers, quelle est la personne sorcière qui est à côté d'eux et tout ça. Vous voyez un peu, non? Ça rend la chose vraiment très, 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 très compliquée. Très, 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 très compliquée. Ça fait que souvent, les gens font de déception en déception, de problème en problème. Et les gens s'interrogent de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi ça se passe ici? Et tout ça. En tout cas, s'il y a un sorcier auprès de vous, là, ce sorcier-là va passer son temps à vous décevoir, à faire les choses qui vont vraiment vous choquer. Parce que c'est la raison pour laquelle le diable nous a positionné là, juste pour faire les bêtises. Le sataniste, c'est une branche occulte qui est là juste pour faire les sacrifices, tuer les gens et mettre les problèmes dans la vie des gens. La sorcellerie n'est que là pour détruire les œufs d'autrui. C'est-à-dire que si toi tu as un projet, hein, eux leur travail sera de détruire le projet. Mais vous te mettre des bâtons dans la roue d'une manière que toi tu ne puisses pas réaliser facilement le projet. C'est-à-dire que là, il va falloir que tu sois fort. Il va falloir que tu sois fort. Et il va falloir que tu saches qui sont les sorciers autour de toi. Qui sont tes collaborateurs? Qui sont les personnes avec qui tu veux collaborer pour créer l'entreprise, pour faire ton business? Est-ce qu'il y a des sorciers parmi ces gens-là? Et s'il y a des sorciers parmi ces gens-là, il faut les éliminer. Tu les détectes, tu les identifies, tu les élimines. Ouais. Tu les élimines. C'est-à-dire que tu enlèves ce sorcier-là de ton couple. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu te méfies des sorciers. Est-ce que vous voyez, en ce moment vous vous méfiez des sorciers, là vous comprenez. En ce moment-là, vous vous méfiez des sorciers, des mauvaises personnes, des mauvais esprits autour de vous. Parce que la présence de ces mauvais esprits autour de vous là, ça fait quelque chose. Oui, la présence de ces mauvais esprits là autour de vous là, ça fait quelque chose. C'est important, juste la présence seulement là, c'est un danger pour vous, même pour votre âme. Il faut que vous fassiez vraiment très attention à ce niveau. Il faut que vous fassiez vraiment très, très, très attention. C'est là, on va vous dire de faire vraiment très attention à votre entourage, les gens que vous invitez autour de vous, les gens avec qui vous causez, les gens avec qui vous marchez. Il faut chercher d'abord à savoir quel est leur état d'âme. Quel est leur état d'âme? C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là sont des sorciers ou pas? Est-ce que telle personne est sataniste? Il n'est jamais écrit sur le front de quelqu'un que la personne est sataniste ou un sorcier. Tu peux aller sur un terrain de football, tu vas voir une personne sur le terrain, ils ont écrit Messi sur son dos avec un numéro. Là, tu dis, ah non, c'est de ce Messi-là il s'agit. Ah, c'est lui-là Messi. Mais tu vas voir un gars, ils ont écrit Cristiano Ronaldo. Tu dis, oh non, c'est Cristiano Ronaldo qui est là, c'est lui. Et puis c'est son numéro. Ah, c'est le numéro 7. Ah, c'est le numéro 7.
Ah, là, tu peux l'identifier, mais les sorciers, c'est pas comme ça. Ils sont autour de vous et parmi vous. Et vous pouvez juste les détecter par leurs œuvres. Vous voyez, non? Et des signes. Ça, c'est quand vous ne connaissez pas les sorciers. Hein. Là, vous pouvez les détecter par leurs œuvres et les signes. Mais ceux qui ont déjà été sorciers une fois peuvent les détecter au premier coup d'œil. Mais vous, je vous dis que ces signes-là sont là. Et vous devez les savoir, vous devez les connaître. Le sorcier est là pour détruire. Si vous avez remarqué que depuis que vous avez commencé à marcher avec les gens, avoir des amis, fréquenter des gens, plus rien ne marche dans votre vie, s'il vous plaît, chanson pour, retirez-vous de ces gens-là, puis vous voyez ce qui se passe, comment les affaires vont aller. Vous allez voir comment les affaires vont marcher. Examinez votre vie un peu comme ça. Parce qu'il y a des gens sur la terre ici, là, qui ne sont pas faits pour marcher avec les autres, genre avoir beaucoup d'amis, non. Ces gens-là sont faits pour marcher seuls avec Dieu. C'est comme si Dieu les avait préparés même à faire de grandes choses, quoi. Ces gens sont faits pour marcher seuls. En ce moment-là, quand ces gens-là marchent avec beaucoup d'amis, là, tous les amis qu'ils rencontrent, là, ils sont infectés. Infectés par quoi? Par l'esprit du diable, ou encore l'esprit du mal, ou encore quoi? L'esprit de la sorcellerie. Oui. Il y avait une fille en train de pleurer. Pourquoi mes relations amoureuses ça ne marche pas? Pourquoi je tombe toujours sur des mauvaises personnes? Ma soeur, si tu tombes sur des mauvaises personnes, c'est parce que le diable sait que ton étoile brille. Donc il va jamais t'envoyer de bonnes personnes. Il va toujours t'envoyer de mauvaises personnes ou encore des personnes animées d'un mauvais esprit, des sorciers, afin de venir de se voir et te faire perdre du temps. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être seul. Tu dois maintenant être seul. Les gens pensent que marcher avec les gens, avoir beaucoup d'amis, c'est ça qui fait la vie ou qui fait le bonheur. Non, vous vous trompez. Non, vous vous trompez. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup de sorciers autour de soi. Parce que moi, quand je marche là, je vois beaucoup de sorciers. Hein. Je me demande même ce qui se passe avec vous là-bas chez vous. Hein. Je me demande. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Trop même. Le problème de ce monde là, c'est qu'il y a trop de sorciers. Et quand vous-même vous liez d'amitié avec un sorcier, ou quand vous vous confiez à un sorcier, là même, c'est le niveau haut du haut qui lui donne l'autorisation de vous attaquer et de vous faire du mal. C'est pourquoi on vous dit de ne pas vous confier à tout le monde. Dieu dit, confiez-vous à moi et moi seul. N'ayez jamais confiance en l'être humain. À l'être humain. Quand vous parlez, vous pensez que ce sont des histoires. Parce qu'en général, quand vous vous confiez à quelqu'un, vous recevez une chaleur instantanée. Et la chaleur, elle l'a déjà là. La chaleur peut vous toucher. Tu t'es confié à la personne et la personne te dit, viens, pardon. Viens, viens te consoler. Mets ta tête ici. Mets ta tête ici. Là, vous êtes content parce que vous avez vu l'homme, quelqu'un. Mais la personne, si vous mettez votre tête dans son cœur là-bas, là, elle se dit, tu ne sais pas que c'est moi-même qui suis à l'origine de ton problème. Et tous tes problèmes vont venir parce que ça ne fait que commencer. Hey, c'est pourquoi, sachez comment marcher. Si vous avez marché seul depuis le début jusqu'à ici que les affaires ont marché, continuez toujours à marcher seul avec Dieu et grandissez tranquillement. Ne cherchez pas à vous embrouiller avec des amis par-ci, les amis par-là. Et quand vous réussissez, là, les amis viennent à gogo, ils viennent nombreux. Quand ils viennent nombreux, là, c'est pour vous mettre en bas. C'est pas pour vous élever encore, c'est pour vous mettre en bas. Si vous êtes riche, marchez avec les gens riches qui ont un bon esprit. Ne marchez pas avec les gens pauvres. Parce que moi, là, j'ai fait l'expérience. J'ai marché juste un peu avec des gens d'un certain niveau, pas pitié. Il dit, j'ai pitié. J'ai pitié. Voici pas pitié là. Les gens avec qui j'avais pitié là, ils ont failli même me tuer. Ils disent, d'accord. Donc ça, tu dis que c'est nous, on fait pitié. Ou on te fait pitié, non? Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas commencer à faire la sorcellerie maintenant sur moi. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Quand vous endormez, que Dieu vous montre des choses dans votre sommeil, ce que vous appelez songe.
ne les négligez jamais. Ces conseils qu'elle vous donne là, ça va vous aider, ça va sauver votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont être bien après avoir écouté ça. Ça sera difficile, mais si vous mettez ça à l'application, ouais, vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien que de mal. Quand vous vous endormez, que vous voyez quelque chose dans votre sommeil, ne négligez jamais cela. Ne dites pas, ah, le film que j'ai vu aujourd'hui, c'était chic, hein. Si, dans le film, on me poursuivait quand même, hein. Moi, c'est courir sérieusement. Non, hein. Quand vous voyez un truc comme ça, faites attention et sachez qui vous poursuit. Qui vous poursuit. Et en général, si ce sont les sorciers. Quand le matin va venir, quand le jour va venir, là, vous allez le revoir de la vie réelle. Vous même venez vous saluer, vous dire ah bonjour, est-ce que ça va, est-ce que ça va. Ça va, c'est quand c'est la sorcière, c'est que vous poussez dans votre sommeil, la raison de que vous venez maintenant le matin, hein, vous demande, pour vous poser cette question, est-ce que vous êtes sûr que ça va, est-ce que tu es sûr que ça va, est-ce que tu es sûr que ça va, mais si ça va pas, dis-moi maintenant, j'ai t'amener sur un docteur. Il a fini de te pousser dans la sorcellerie la nuit. Il vient le matin maintenant pour voir si ça va bien chez toi. Et en général, hein, quand vous voyez faire des songes où on vous poursuit, où les animaux vous poursuivent, où il y a des trucs pareils là, sachez qu'automatiquement les sorciers sont au courant. Et si les sorciers près de vous là, vont venir les premiers pour venir vous saluer le matin. Donc méfiez-vous des gens que vous faites entrer dans votre vie, les gens à qui vous vous confiez, méfiez-vous des gens qui vous entourent. Vous êtes trop gentil, je vois, votre mère est tellement facile, vous êtes bon, vous avez un bon cœur, c'est vrai, moi-même je suis comme ça. Mais à un moment donné là, j'ai décidé d'être dur sur moi-même. Parce que les gens faibles que j'ai voulu amener en haut pour être fort, ils ont tenté de m'éliminer. Quand on tente de vous éliminer, que vous revenez à la vie, vous sachez comment marcher maintenant. Moi, je sais comment marcher, je peux communiquer mon mode de vie. Si ça vous arrive, faites comme moi, méfiez-vous. Méfiez-vous beaucoup, surtout ces temps-ci, il y a trop de sorciers. Le problème de ce monde, je vous l'ai dit, ce sont les sorciers. Méfiez-vous les frères et sœurs, méfiez-vous des amis, ce que vous appelez les amis. N'appelez plus jamais quelqu'un meilleur ami. Que Jésus et Dieu se soient votre meilleur ami. Ouais, je vous le dis. Je vous le dis. Dites-moi ce que vous en pensez maintenant. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est Yuka. Bien sûr, bonne. Vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos amis. Et soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, bien sûr, abonnez cette nouvelle chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.